avec donc le bouton start. Voilà, le bouton start, et il est passé au-dessus de la porte, et là en faisant son side-up, il va toucher la zone de trigger de l'entrée de Goma. Ouais. Allez, allez, monte petite boule, allez, allez, allez. Oh, chop, chop, okay. Hop, hop. Ça va, Bash. Bash a quand même des trucs plutôt cool. Oh, nice. GG pour Mandy Reggie. Et donc, direct, le premier niveau, on va pas s'embêter. On va se placer ici. Et on va utiliser la force pour se prendre en taxi par un bombardier TIE. Voilà, parfait, c'est passé du premier coup. Ça, c'est le glitch le plus simple et le plus compliqué de toute la run, quasiment. D'abord, on slide à gauche, puis à droite. On tombe en restant sur le corps. On repousse un peu. On se positionne bien anglé avec le carrelage pour être face à la porte qu'on est censé ouvrir de l'autre côté en finissant le parcours. Et on clip à travers. Ah ouais, alors là, c'est World Premier, les gens. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Ouais, on est sur un niveau... les niveaux dans ce Epescape ont tendance aussi, des fois, par moments, à être un peu circulaires pour vous permettre de récupérer les singes. Premier coup. Couper. Et c'est passé du premier coup. Incroyable. Voilà, incroyable. Ouais. Très difficile ce truc. Ils ont mis le checkpoint juste à côté pour retry, évidemment, ouais. Pour éviter de perdre du temps. Ah, c'est un petit peu compliqué. Ça passe chez l'équipe. Vraiment, je ne doute pas, mais on l'a dès là, un moment très beau. Le double rebond et ensuite le petit dash vers le haut pour réussir à passer. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive en speedrun, mais c'est vraiment que dans les top run qu'on arrive à voir ce genre de choses. Hein. Ah, voilà, petit passage joystick pour esquiver la langue du barnacle. Et voilà, boum, Sonic. Il le tente quand même pour le beau jeu, une dernière fois peut-être. Ah, ça passe, ok. C'est bon. Il y a tout un tas de tubes en fait dans lequel il y a les âmes tourmentées des victimes de serpents. Ah, là, vous voyez que le level design il rigole pas trop. Hein. Oh, voilà, le water skip, il a passé du premier coup. Donc il a pris un dégât d'un ennemi qu'il tuait pas en un coup pour pouvoir marcher sur les pics qu'il tue en un coup. En plus. Bref, et donc du coup, il va. Vous voyez là le grappin qui est un peu bizarre. Et hop, voilà, il se met. Parce qu'il a pas la grande clé. Il a pas la grande clé. Ah, c'est pour ça qu'il fait ça, j'avais oublié ce détail. Et donc, il est obligé de passer par le mur en fait. On l'encourage, un bon side jump. Bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Qui est juste là actuellement en médaillon. Et on commence voilà, à s'amuser, à voir l'enfer du décor de la map. Donc ce magnifique ciel étoilé, le cosmos. Et on se jette dans le vide. On attend effectivement le progress saving qui était en haut à droite de l'écran avant de reload. Et on a touché le trigger d'un événement quasiment 20 minutes après dans le jeu. Nous ne sommes absolument pas censés nous trouver ici. On saute d'espace de millimètre en millimètre. Pour essayer de se faufiler sur un chemin alternatif. Et voilà, nous revenons au sein du niveau. Retour donc à Burenia pour Odnolium. On va pouvoir continuer notre aventure puisque quand on a éliminé ce robot Chozo, oh, très beau speed nice. Qui continue à travers ce tunnel, le petit morph, le wall jump, oh, c'est beau, c'est fluide, ça continue. Il va donc charger deux cutscenes en même temps, il va additionner les deux valeurs et la valeur 20 en fait, c'est toujours un exemple, hein. Attention, hein. Et vous allez voir en fait ce que c'est. Voilà. Time. Et bah en fait c'est quoi time, c'est... Ouais, voilà. C'est quoi. Bah en fait c'est les crédits du jeu. Voilà. Et préparez-vous, le nouveau défi FR est lancé. Il nous est arrivé. Nous aimerions renommer la team de Vert de Worms Armageddon. On voudrait qu'elle se renomme LF Vert. Donc. Bon, normalement je devrais être rejoint par maman. Je l'ai vu se connecter vite fait pour dire bonjour. J'ose espérer que peut-être que si je l'appelle trois fois, il viendra. Maman, maman, maman. Eh ben, on fait comme ça. Ouais, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était bon. Très chouette. Moa, on te retrouve durant cette fin de semaine ? Non, moi, c'est fini. reste dans le lobby, toi. J'aurais dû me barrer sur cette phrase, c'est. Non, je suis pas sûr que Thorol aurait apprécié la blague. Je vais lire les deux dons qu'on a reçus. Exceptionnel. Mais ça marche en fait. Incroyable. Une association qui a pour but de combattre le cancer et de faire en sorte que les gens puissent être dépistés le mieux possible.
Ça suffit, Chacha. Ça suffit, Chacha. J'ai cru que t'allais dire un autre truc. Oui, je sais, je sais. Je sais, je sais que j'ai pas bien articulé. Je suis au courant, Chacha. Nous allons tenter de renommer Erisandre en Cajou Glitch dans Légende Pokémon Arceus. Bonne fin de marathon et gardez la pêche. Eh ben, c'est acté. Voilà. Voilà, c'est réalité. Le montage, c'est en voilà, c'est un work in progress. Bon, on arrive doucement mais sûrement vers la fin du des Awful. Hein. Finalement, il n'en reste que deux jeux et demi. On sait pas trop parce qu'effectivement, tout à l'heure, selon Moa, Megaman ZX, c'est pas un Awful. Mmh. Selon le reste du monde, ça l'est. On peut en douter tout de même. Voilà, ça va, moi. Tiens, bonjour, moi, qu'est-ce que ça va? Ouais, je sais pas, j'ai les oreilles qui sont bien bourdonnées, j'ai pas. Ah non, bah, de quoi? Bah non, bon, y'a rien de particulier, hein. Un steak! Un steak! Et quoi d'autre? Une tomate! Une tomate! Et quoi d'autre? Un steak! Un steak! Quadruple steak! Et quoi d'autre? Un autre steak! Quintuple steak! Un autre steak! Quintuple steak! Et quoi d'autre? Un oignon. Un oignon. Pardon, j'ai rigolé. Sur le chat, il y a mes chers collègues Modo qui ont créé une prédiction pour la race. c'est pas une race. c'est vraiment une coop, en fait. Ils sont vraiment... gameplay. Vous aimez le sumo traditionnel? Moi, j'adore le sumo traditionnel. C'est incroyable. J'ai 6 pages de notes sur ce jeu, là. Combien? On va vous faire une confidence avec Grink. L'histoire derrière le jeu est plus intéressante que le speedrun du jeu en lui-même. Ah, il a tellement donné envie aux gens de le voir, ce speedrun, c'est beau. Quel crime odieux! Ils ont mis de l'ananas dans la pizza! N'ayez crainte de la paix, j'ai l'instrument adéquat pour réparer ce crime. Merci, inspecteur Dyson! Mais je vous en prie de la paix! Attention, pas le chorizo! Pas le chorizo! Juste là! Les craintes de la paix, je suis habile comme une truite. Non mais effectivement, j'ai jamais été très triste de la mort d'Iris parce que c'est un personnage que j'aime pas. Ah, je suis désolé mais j'aime pas Iris moi, donc. Pourquoi tu pourrais commenter avec nous? Mais ouais attends, je vais contacter pour voir si on peut pas. On avait d'autres personnes qui avaient postulé pour commenter un jeu. Ok. Merci, hein, merci en tout cas de ta participation, hein, mais bah c'était la dernière. Voilà. Y'a Ribbon, y'a même les alliés de Kirby's Dream Land 2 et 3, bref, y'a quasiment tout le monde qui est là, c'est un peu Smash Bros de Kirby. Et aussi, vu que c'est un peu le jeu de l'amitié, de l'amour et tout ça, et l'amour l'emportera, c'est un petit peu Kingdom Hearts 3 en mieux en fait. Oh la tech. Faut savoir que son world record il est un peu pourri d'ailleurs. Juste au passage. Oh le flex ça, mais... Il y a eu une... Mais vraiment il faut un doctorat, un bac plus 12 et une exécution de fou pour comprendre et faire tous ces glitches d'affilée en à peu près en 1h07 pour faire 100% du jeu et tu viens de chier sur son record du monde. Je suis mort de rire. Moi j'ai un peu l'impression que les fans d'FF14, c'est un peu les Bretons du web. Parce que franchement, ils sont tout le temps là. Qu'est-ce que tu vas dire sur les Bretons? Ils sont tout le temps là, on les voit tout le temps partout. Et leur seul argument, c'est de dire que leur jeu il est gratuit. Comme les Bretons, ils disent que leur autoroute elle est gratuite. Voilà, c'est pareil, à chaque fois. Tiens, petite note, petit warning pour la régie, c'est une run en coop. Alors, qui c'est qui va gagner la race? Techniquement, ils vont tous les deux la gagner. Voilà, je dis ça, je dis rien, maintenant vous vous débrouillez pour les coins. C'est de la coop, hein. Oui, il est passé. Let's go, la V2. Allez, on a un don de Léo le Burlock de 5$ qui dit. RLRLRL. Attends, Clex, désolé, je me permets de le faire. Voilà, quand même. Ah non, mais je connais. Parce que c'était en référence à Cult of the Lamb, c'est ça? Non, c'est référence au Murloc. Le buzz va marcher et je vous invite à compter chacun de ses pas. Et à 7, il y aura une surprise. Et oui, effectivement, le mooning, c'est magique. C'est magique. Allez, on compte tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7! Bonne année! Bonne santé!
C'est ça, c'est vraiment le tir de fusil à pompe, quoi. Voilà. Donc là, c'est e-switch et on peut voir la vie du boss. Ah ouais, par contre, ok. Attention, ça va aller très vite. Hop, bim. Ah, on a pu voir un bout, on a pu voir un bout de labo droit. Là, c'est vraiment c'est sa phase 2 en fait. Ah oui, alors c'est ces ennemis là. C'est trop drôle. Ça, c'est vous voyez les ennemis, ils sont encore un peu en arrière-plan, sauf que ils sont leur hitbox est touchable à ce moment-là, et donc du coup il suffit juste de bouger cercle des sœurs dès le moment où ils bougent pour pouvoir se faire toucher, et la deuxième phase, gros laser, ils sont morts. C'est un truc qu'on en a pas parlé, je sais pas si vous avez remarqué, mais les boss, ils meurent tellement vite que leur barre de vie n'a pas fini d'afficher qu'elle est vide. Attends, on va voir si sur celui-là il va réussir à le faire aussi. Mais regardez bien, il y a le ralenti de la mort du boss. La barre de vie n'est pas encore vide en fait. Voilà, le boss est mort. Voilà. Et voilà, le Bibikli Accurate Calamar. Mais quand on parle. Aléa, complètement random dans ces patterns. Heureusement, là on arrive avec une UH à 70%, autant dire que Et c'est très satisfaisant à voir. Ah oui, plaisir. Là. On peut en effet dire qu'il s'est fait sécher le calamar. Ah, plutôt qui apparaît, donc c'est tout à fait scripté. On veut faire exactement les mêmes. Alors je crois qu'il a raté un truc. Ah, oh, le jeu a crashé. Je fais des charges, tout se passe bien. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de critiques. Et voilà. Elles sont là. Enfin. Les bombes ball morphing sont ici. Ouais, il les prend pas. Avec elle, il est tombé de la plateforme. Chais. Quoi? Oh non. On rappelle qu'il ne connaissait pas la chanson avant et qu'il est en train de la jouer en live. Il la découvre en même temps que vous, hein. Oh, le plasma. Ah, oh, il était là. Ça y est. Allez, ça y est, on va pouvoir avancer. Locomode. Le temps qu'ils aillent chercher la suite des objets, j'explique. Pour le multi-world, pour ceux qui veulent s'y essayer par la suite, donc déjà, c'est très beginner friendly. Pardon, Reggie, il s'est sauf lock juste après avoir eu le plasma qui a été envoyé par Bash. Qui, je crois, qui est mort de rire. Qu'il utilise très très bien, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, première mission, ça y est. On va la faire en deux temps, celle-là. On va d'abord, voilà. Hop, attends. Ouh, c'est bon. C'est bon, voilà. Est-ce qu'on refait un rappel de ce qui se passe Bah là, oui, vu qu'on vient de se faire raid par Antoine Daniel. Merci beaucoup et bienvenue aux raideurs. Vous êtes en train de regarder la GDQ et là, on est en train d'assister à une run un petit peu particulière puisqu'on joue à deux jeux en même temps. Oh, trans kara no rape ga. Oh, imashita ne. Trans. France Listerine par la Love Love. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, mais plate, pas ça. Welcome, friends. How are you doing? Thank you very much. Merci beaucoup. Oh, mon amis, les friends, Restream is here. Invasion da Restream francesa. Oh, mon amis, je te amo, mon amis. Merci, mon ami. Tu sais quoi, tu vas pouvoir réexpliquer puisqu'on vient d'avoir un raid de Zerator. Attends, je le fais. Cette bienvenue, et bienvenue au nouveau raider. bienvenue sur la GDQ, le French Stream. Exactement, pour toujours plus de plaisir. Oh, et tandis que le Japanese Stream nous régale. Oh, thank you, arigato gozaimasu. Arigato, thank you. Bonjour les amis. And this year, AGDQ draws to a close. We just want to say thank you for the raid and thank you for your friendship during all this year. We are looking forward to AGDQ. Here's some cœur from us and Rommel. Dankeschön. Bon, c'est mon tour, c'est ça. Hein. C'est ton tour. Bon, et bien bienvenue au Raider d'Angle Droit. Vous êtes en train de regarder la GDQ, blablabla, le French Rose Stream. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça aussi la magie des Rose Streams, hein, c'est que voilà, on fait des raids, on se fait raid en retour. C'est la magie, c'est super. C'est que de l'amour. On va y aller
Attention, mesdames et messieurs, instant badass, c'est maintenant. Voilà. Et donc, normalement, on va pouvoir faire en sorte que... Bravo, 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 c'est réussi du premier coup. Et c'est le time, du coup. 19 minutes 54, c'est un WR, c'est un World Record. Ah, il le fait vraiment, du coup. Attends, il y va vraiment... Ah, il y va vraiment au blind. Et donc voilà, ce n'est pas canon pour ceux, voilà. Il va falloir clipper ça, hein, par contre, je compte sur vous. S'il arrive à le battre en blindfold, c'est quand même assez important. Oh, il y va. Your team name is going to be capital LF, uncaps, so lowercase, VE, and caps R. VE, MLE, F en majuscule, LR en majuscule, c'est fait. Bravo à tous. Bravo à tous. Il l'avait, il l'avait, il l'avait. Il l'a pas, peut-être pas entendu. And... Incroyable. So, without further ado, we're going to go ahead and start this game in French, because French won the bid war. Et on va jouer en French. On va jouer en français, on va voir les cartes en français, les dialogues en français, tout en français, c'est beau la France. Et ben, GG à tout le monde, hein, on a gagné. On est les meilleurs. On a peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais au moins on a gagné le City de Sensi. Gold ? Je crois que c'était Gold. Ouais, incroyable. Alors, BGDQ. Qu'est-ce qu'il écrit ? Baguette. Baguette. Oui, monsieur. Et c'est un world record. C'est un world record. Vous l'avez. Ça y est. Le record du monde est tombé sur Rufus Reis. Yeah, I can confirm that pursuant to the leaderboards being figured out for previous patch versus current patch, but very much at least on the previous patches, that run from Benhan Paul Knives is a world record. Full combo. Pas de mise sur cette chanson. How's that pronounced? Rod. R-O-D-R-I-G-U-E. Voilà, Rodrigue. Rodrigue. Merci. Let's go. Bravo. Oh, on l'a peut-être. Alors peut-être, parce que là, ils sont au même endroit. Hein. Ils sont exactement au même endroit. Ils sont quasiment à la frame maintenant. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre sur cette fin de run. Alors là, voilà, les plateformes. Alors ça, c'est le micro, mais j'ai même pas réussi à passer la première plateforme rouge. J'ai même pas réussi à passer la première plateforme rouge. Propre au glitchless, puisque normalement, il va se faire toucher. Oh, ça lui a frôlé les fesses. C'était pixel. Hein. Ouais, c'était vraiment pixel. Hein. Ça va être magnifique. On cherche le pixel qu'on veut. Un, deux, trois, quatre. Et c'est bon. Alors c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Donnez-moi un C. Donnez-moi un A. Donnez-moi un J. Donnez-moi un O. Donnez-moi un... Ouais, pas que tu galères quand même. C'est pas compliqué de glisser A, G, O, G, L, I, C, 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 H, bordel. Allez. La glitch, c'est quoi du glitch? Et c'est bon, c'est validé pour Cajo Glitch. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Alors, je t'avoue que là, j'ai... Ouais, non, je crois que c'est ce que j'entends. Ils veulent faire une Swag Strat. Ouais. Ah, il faut bien, hein. Bah, quand même, pour finir. Oh, bien fini. On y est presque. Ouais. La petite vache, elle avance. Allez. Ouais. Allez. C'est long là. Allez, c'est bon, le million. Oui, bravo. Bon, on a gagné la Coupe du Monde, c'est ça? Soyons sérieux un peu, deux secondes là. Cours, Nick, tu peux le faire. 2 millions. Bravo. Félicitations. GG. Bravo tout le monde. Parce qu'en fait, il y avait celle-là d'abord. Elle est trop belle. C'était celle-ci qui avait commencé par Tartine. Et en fait, au même moment, donc la personne a eu son chat qui était dessus, et donc du coup, ça faisait un chat sur un autre chat. Voilà. Non mais c'est extrêmement mignon. Hein. Bah voilà, bah lançons cette tendance. Allez-y. Petit plan shout-out. Petit message pour LFR. Oh. Ah.
J'ai eu le droit à mon shout-out. Un don de 5$ de Fast Cash qui nous dit superbe run de Final Fantasy XIV cette nuit. Le jeu symbolise beaucoup pour moi car j'ai rencontré ma femme. Oh, c'est trop mignon. Oh là 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 là. Please excuse my in VR writing capabilities. You're neater than what I could do. Yeah, it's actually quite hard to do it clean in VR. Sinon, j'étais super content d'être là comme toujours. Je remercie comme toujours le chat d'avoir été cool, le French aussi de me faire confiance. Et c'est le moment. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie.